Oh, bienvenue. Pourquoi pleures-tu? Notre directeur m'a chassé de l'école parce que je n'ai pas encore payé mes frais. Mais tu attends quoi? Va déposer ton sac. Papa, papa, on commence les examens bientôt. Je dois rentrer à l'école. Si c'est l'argent que tu veux, je suis désolé. J'en ai pas. Et même si j'en ai, je ne te donnerai pas. Tu devrais soit aller au champ ou aller voir ta mère. Non, Biko. Non, Biko. Biko, non. Non, Biko. Biko, non. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a chassé de l'école. Mais va voir ton père, non? Il m'a dit de venir te voir. Lui n'a pas d'argent. Cette place ressemble à une banque. Va au champ, enlève les maniocs et va les vendre. Maman, c'était pas... Arrête de me déranger! Ça suffit comme ça? Non, maman, rajoute encore. Maman, tu peux rajouter pour moi un peu? Gère ça. Même si tu termines tout ça, tu ne vas même pas changer. Un corps inchangeable. Ebuka? Maman? Veux-tu encore plus? Oui, maman. Aïe! Allez, pousse-toi. Tu es à ma place. Agobata. Viens me voir au shop. Oui, maman. Ebuka. Maman. Prends ça pour acheter un truc à l'école. Merci, maman. Et toi, rassure-toi de bien fermer la porte avant d'aller au champ. Avant que je n'oublie, prépare-moi ça. Comme ça, ton frère va trouver à manger lorsqu'il va retourner. Ok, maman. Allez, montre ce qu'on a mis pour toi. Je vais prendre un peu. Maman Ada, je suis de retour. Bienvenue. Prends. Merci, maman. Merci. Merci, hein. Bye bye. Hé, hey, mon argent. Ebuka, as-tu vu mon argent? Ton argent.
Non, je ne l'ai pas vu. Je suis en retard. Au revoir. Bye. Aku, et toi, as-tu vu mon argent? Quel argent? L'argent qui était dans la boîte? Oui. Oui, j'avais vu ça. Heureusement. Mais je l'ai utilisé. Tu as utilisé quoi? Non. Ako, dis-moi que tu blagues. Dis-moi que c'est pas vrai, Ako. Adako se marie bientôt. Alors on devait faire une contribution, non? Hey! Ako! Je travaille toutes ces semaines. Juste pour avoir cet argent. Pour mes frais scolaires. Ako, j'ai vendu le feuille de manioc. J'ai vendu aussi le bois. Ako, j'ai travaillé sous le soleil. Ako, comment tu peux me faire ça? Je suis ton unique sœur. Désolée, hein? Je vais te les rembourser au retour de Akabo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Maman, Ako a pris mon argent. Et alors? Tu pleures parce que ta sœur aînée a utilisé ton argent. J'ai toujours dit ça. Tu as un mauvais cœur. Maman, mes frais scolaires. Maman, j'ai travaillé dur pour épargner cet argent. Tes frais scolaires? Ah, ça c'est méchant de sa part. T'inquiète, je vais lui parler à son retour. Salut, tu reviens du champ avec ce soleil qui frappe fort. Je suis déjà habituée. Mais tu ne viens plus à l'école. Tu as raté les interrogations et bientôt les examens vont commencer dans 2 jours. Obi, je n'ai pas encore payé mes frais scolaires. Mais on a déjà payé pour ton frère et comment on n'a pas payé pour toi? Mes parents refusent de me payer le frais. Et le peu que j'avais épargné, ma sœur a utilisé ça. Ils sont vraiment tes parents? Ce n'est pas de leur faute. Peut-être c'est parce que je tombe malade à tout moment. Est-ce que tu tombes malade par ta propre volonté? Tout le monde tombe malade. Non. Pour mon cas, c'est de trop. C'est pourquoi ils ne veulent plus... Non. Mais... Non, ne dis pas ça. Ok. Toi, tu as combien? J'ai 11 naira. Ok, écoute. Moi, j'ai 5 naira. Viens demain à l'école. Je vais te donner ça, comme ça tu vas payer. Oh, Dieu. Ça me va droit au cœur. Oh, ça va, ok? Juste ne manque pas demain à l'école. Okay. On se verra demain. Ebuka? Papa? Viens. Ah, as-tu fini? Oui, prends. Merci. Papa, pourquoi tout le monde me hait? Les gens me rejettent, même les membres de ma propre famille. Mes condisciples vont bientôt commencer les examens. Je ne peux pas les rejoindre juste parce que mes parents ont refusé de payer mes frais scolaires. Le peu que j'avais épargné, Akwa Batala a eu. Personne n'a dit et n'a fait quelque chose à propos. Je peux voir que tu as grandi. Jusqu'au point de me questionner. Sais-tu combien j'ai dépensé sur ta santé? Depuis que tu es né,
Ça a toujours été maladie après maladie. Tout ce que j'avais ont disparu l'un après l'autre. J'étais même obligé de vendre mon vélo. Oui, je l'ai vendu pour te traiter. Même la semaine dernière, quelqu'un a mis du feu dans mon champ. Et lorsque j'ai consulté au coucou, et il m'a dit que c'était toi et tes esprits maléfiques qui ont causé cela. Je ne sais pas pourquoi les dieux m'ont maudit avec toi. Bien. Si tu veux toujours aller à l'école, va me ramener tout l'argent que j'ai dépensé sur ta santé depuis que tu es né. Celle-ci me dérange. Emmenons-la à l'hôpital avant qu'elle ne meure ici. Ok. Désolé. Ibe, merci beaucoup, hein. Merci. Très bien. Désolé. Si vous c'est fini, prenez hein. Bien soin ça va. Moi, je rentre dans la forêt. Franchement, chaque jour, je... Désolé. Bonjour et bienvenue. Salut, docteur. Oh. Ah, docteur Thomas, bonjour. Ouais, bonjour. C'est comment aujourd'hui? Oui, ça va. Quand même. Ça va. Comment va-t-elle? Elle commence à prendre la force. Mais checkez-la d'abord. Ok. Comment tu te sens maintenant? Je crois que ça va un peu. Ok. Je dois te prescrire et te donner d'autres médicaments. Désolée. Votre agence est 7 Nairao. 7. Docteur, s'il te plaît. S'il te plaît, réduis cet argent, non, s'il te plaît. Je l'ai déjà réduit. Ok, payez 6. 6 Naira. Docteur Thomas. Est-ce que je peux payer plus tard? Non, vous avez déjà quelques dettes encore, non?
Je sais. Donc vous devez faire quelque chose. Ces médicaments sont coûteux. Hein? C'est fini. Docteur Thomas, s'il te plaît, prends ceci. Je vais compléter le reste plus tard. Je lui donne l'acide folique, Novalgien. Hein? Je lui donne aussi paracétamol, vitamine C et d'autres médicaments. Donc vous devez essayer de payer. Oui, je vais te payer. D'accord, pas de problème. Merci. Hein? Ça va aller. Madame, voici les médicaments. Vous lui donnerez un le matin et un le soir pendant 3 jours. Hein? Si ça continue, rappelez-moi. Compris? Merci. D'accord. Merci, docteur. Ça va aller. Merci beaucoup. Hein? Merci. Hein? De rien. Il y a aussi d'autres patients qui m'attendent. Okay. Je vais courir pour aller les soigner aussi. Merci ça va. Beaucoup, connaissez docteur. Un délai. Hein? Merci. Oh. Bye bye, docteur. Bye. Oui, la plaignante, qu'est-ce que tu as à dire cette fois-ci? Papa, je suis venue te dire que je ne vois pas l'argent que j'avais gardé pour mes frais scolaires. Et j'ai demandé à tout le monde, personne n'a dit qu'il a vu ça. Ah, c'est moi qui l'ai pris. Papa, tu j'ai as pris ça. J'ai dit que je l'ai pris. Quel argent penses-tu que j'ai utilisé pour payer Dr Thomas? Hein? Mais papa, mes collègues sont à l'école. Mes amis sont à l'école, papa. Je dois rentrer à l'école. Écoute-moi. Je suis fatigué et j'en ai marre de continuer à dépenser pour ta santé. Si tu veux mourir... Papa! Va mourir! Papa! Je dis va mourir! Akon. Où est ma nourriture? C'est ça ta nourriture, prends. Akou, qui a mangé ma nourriture? J'ai pris un morceau chez toi. En fait, ce que je suis en train de manger là, hein, c'est pour toi. Et pourquoi? N'est-ce pas que tu n'en avais pas besoin? Pourquoi tu es égoïste comme ça? Pourquoi tu me hais comme ça? Pourquoi tu me hais, Akko? Hé! Hey! Regardez-moi, Onorao. Tout ça, c'est parce que j'ai mangé la nourriture que toi, tu as abandonnée. Hein? Onora! Hé, hey, pardon, s'il te plaît. Épargne-moi. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. J'aurais souhaité... Tu souhaiterais quoi? Laisse-moi te dire ce que je souhaite pour toi. Jette-toi dans la rivière et meurs. Thank you.
Ta température est haute. Mais qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Oh mon Dieu, lève-toi, allons-y. Vas-y, lève-toi, partons d'ici, lève-toi. Fais un effort. Infirmière, 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 infirmière. Quoi? Oui, s'il te plaît, viens, viens vite. L'as-tu trouvée? Non, je n'ai pas pu la retrouver. Hey! Qu'est-ce que je vais expliquer? Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que tu as causé? Es-tu en train de me condamner? Oui, je te condamne! Je te condamne, tu dois la retrouver! Tu dois prier pour la retrouver, oh! Je vais leur donner notre fille à fouiller la maison il y a de cela 4 jours! À cause de paroles de son père! C'est ce que je veux leur dire. Qu'elle soit au moins là-bas, oh. Qu'elle soit au moins là-bas. Elle est stable maintenant. Que la gloire revienne à Dieu. Jeune fille, tu n'es pas une enfant maudite. Tu souffres de l'anémie SS. T'inquiète, ce n'est pas si compliqué comme tu le penses. Non, t'inquiète, je veux tout t'expliquer après. Hmm? C'est très intéressant. Tu ne vas pas mourir de toute façon. Tout ce que tu dois faire est de bien manger. Ne pas rester en famille. Évite le stress avec toute ton énergie. Ça veut dire beaucoup de repos de ta part. Est-ce que ça va? Bien, je t'ai déjà placé les médicaments. Quand ils seront finis, il t'en faudra encore d'autres. Tu dois toujours te promener avec ça. C'est clair? Quoi qu'il arrive, garde-toi toujours à l'abri. Ne t'expose jamais au froid. Car si tu le fais, tu pourras encore faire une autre crise. Des crises? Oui, crise. Cela veut dire que tu ne vas pas toujours tomber malade. Alors, dois-je prendre ça comme un compromis? Oui, docteur. Ça veut dire que je ne peux plus aller me laver dans la rivière? Non, ma chère, tu ne dois pas. Ifechi ici est aussi l'une de mes patientes. Hein? Juste prends tes médicaments quotidiennement, c'est tout. Merci énormément, docteur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Elle va partir d'ici demain. Ah, merci beaucoup, docteur. Une dernière chose. Omora, s'il te plaît, tu dois consommer beaucoup d'eau minérale. Ok. Je t'en prie. C'est quoi l'eau minérale? De l'eau. Juste de l'eau. Mais il a dit que toi aussi... Oui, ma chère. Je suis aussi anémique. Oui, ma chère. J'avais vraiment beaucoup souffert, plus que toi-même.
À quoi, Bata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde la parcelle, elle est trop sale. Pas de bois, ni de l'eau. Et tu es assise en train de manger la mangue. Maman, si tu penses que je veux faire tout ce travail, hein, ce n'est pas possible, je ne le ferai pas. Qu'as-tu dit? Qu'est-ce que tu as dit? Une fille paresseuse. Je me demande comment tu vas prendre soin de ta maison. Maman, laisse-moi, je ne veux pas. Mouka, bienvenue. J'étais là hier, on m'avait dit que tu étais sortie. Alquette ici. J'étais partie au marché, ma soeur. J'étais partie chercher quelque chose pour le sacrifice. Tu attends quelqu'un? Omura! Omura! Njoku! Omura! Njoku! Omura! Njoku! Hey! Omura! Hey! Comment vas-tu? Bienvenue! Hey! Hey! Tu as encore commencé! Tu as encore commencé! Ce n'est pas de sa faute. Oui, c'est de votre faute. Peu importe, mon nom est Infechi. Je suis professeur au village de Mweze. J'étais aussi dans la même situation qu'elle. La mienne était encore très pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe, c'est une longue histoire. Peut-on nous asseoir? Uzako, s'il te plaît, est-ce que je peux déjà rentrer? Ok. Bye bye. J'étais toujours malade. Ma mère était déjà la femme de mon père avant même qu'il ne puisse arriver au monde. Il lui avait été donné par ses parents. Les gens qui ne connaissaient rien à propos du génotype et de l'électrophoreuse. Qu'est-ce que c'est ça? Patientez. Patientez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a quoi? Ce mal me frappe encore. Ne t'ai-je pas bien servi? Cela veut dire que je ne vais pas avoir d'enfant comme les autres. Seigneur, pourquoi? Oh, Iri,
beaucoup de courage. Des choses comme ça arrivent. Aïe. Amandé, mon cas est différent. Le quatrième enfant. Ah. Oiri, sois courageux. L'enfant qui va rester arrivera. Sois courageux. Ah. Va-t'en et ne rentre jamais dans ce monde. Mais si tu retournes avec ça, on te reconnaîtra et tu vivras pour ne plus mourir jeune. Allez, enterrez-les. Moi, quoi, moi, je suis là. Noma. Né. J'arrive. Aïdeo. Qu'est-ce qu'il y a? Un peu faible, je ne me sens juste pas bien. Ok, laisse-moi aller chercher le bébé. Non. Ce n'est pas une mauvaise maladie. Une bonne maladie? Es-tu... Oui. Ma femme, tu veux dire que tu es enceinte? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il n'y a pas raison de se réjouir à propos. Ce n'est pas la première. Ça, c'est la deuxième. Non. Cet enfant-ci vivra. J'ai une alliance avec mon créateur. Et je sais que je ne serai pas déçu. Noma, tu n'iras plus au champ. Tu ne feras plus aucun travail dans cet état. Je vais... Allez... Va te reposer. Laisse-moi appeler Ioma de venir t'assister. J'espère que tu as bien dormi. Oui, mon mari. Ok. Ton déjeuner est sur le feu, hein? J'ai déjà chauffé la soupe. Que j'aille chercher quelques légumes pour toi, ok? Et je vais aussi faire appel à Yoroma de venir t'assister. Ok.
un mari merveilleux. Ohiri. Oui. Ta femme a un travail. Hein? Viens vite. Amadi, qu'est-ce que tu viens de dire? Ta femme a un travail. Ma femme. Hein? Un travail. Oui. Où est ma femme? Elle est à l'intérieur. Ebwe neru yeri. Donne-moi l'enfant. Je sais qu'ils ne peuvent pas abandonner leur arbre. Je sais que c'est toi. Tu es encore venu. Et cette fois-ci, tu ne vas plus mourir jeune, tu vas mourir vieux. Prends ton enfant. Cette fois-ci, elle ne va plus mourir jeune. Ici. Elle va vivre longtemps. Ici. J'ai fait mon travail. Ok, Lee, c'est ton tour. Oh, Iri.
ce bébé te ressemble. Oh. Pensons-y. Oh, il et sa femme se ressemblent. Exactement. Oh, il y est. Ah, Yama, je crois qu'elle va survivre. Elle va vivre. Issei. Elle est destinée à vivre et à cause d'elle, beaucoup d'enfants naîtront dans la famille. Et vous serez le village qui vous appartiendra. Ozuzo, ke, ozuzo, ye. Ozuzo, fa. N'y a-t-il pas de vœux de flamme dans cette maison? Ce n'est pas l'objet de célébration. Oriri. J'ai failli oublier. Laissez-moi aller chercher du vin de palme frais. Hey, c'est ce qu'il fallait faire. Je sais que tout le monde te connaît à cause de ton vin de palme. Joli enfant. Remercions les dieux. Je serai de retour. Va le cueillir. Elle m'avait traité de tous les noms. Non, ma bigonne. Non, ma. Hé! Hey. Né. Iroma, tu es là. Non, ma. Comment tu vas? Elle a refusé d'allaiter le bébé. Ah, mais ce n'est pas juste. Personne ne connaît la voix de Dieu. Donc ne blâme pas l'enfant innocente. Hein, Noma? Elle a tué mon mari. Hey! Elle n'est pas satisfaite de la manière dont elle nous a fait souffrir. Elle a encore tué mon mari. Tais-toi, femme! Ne provoque pas la colère de Dieu. Tais-toi! Le Dieu, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si ce n'est d'être là et regarder tout ce qui se passe. Mangeant nos ignames, nos poulets et tous les sacrifices que nous leur donnons. Où était-il quand mon mari mourait? Noma, n'as-tu pas de conscience? N'as-tu pas de conscience? Ça fait déjà 3 jours que ce bébé n'a rien à manger, hey, excepté l'eau. Je me demande pour quelle chose ton pauvre mari va penser à toi. Noma, je te supplie. Allaite ces bébés avant qu'elles ne meurent de faim. Noma, laisse-la mourir. Hey! Noma, c'est pour ces bébés que tu pleurais ici. Penses-tu que ton mari sera heureux dans sa tombe maintenant là? Je te prie au nom de Dieu. Noma, donne à ces bébés à manger. Noma, ce n'est pas juste. Oh. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Noma, la vie non plus n'a pas été juste pour moi. Qu'allons-nous faire maintenant? Peut-être que je dois l'amener chez la mère de Ifoma. Elle continue d'allaiter ses propres enfants. Ouais, ça c'est une bonne idée. Je sais qu'elle est toujours choquée. Mais avec le temps, elle va en revenir et allaiter l'enfant. C'est une fille très aimable. Né. Ah!
Noma. 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 C'était comme ça que ma mère était morte. Personne ne voulait m'allaiter. Tout le monde m'avait blâmé de sa mort. Mamie Forma. Hey! Tu adores? Nora, no. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Hey. Et comment va ton bébé? Il va bien. À qui est cet enfant que tu as porté? Le bébé de Noma. Noma? Quel Noma? Le bébé de la pauvre Noma? Oui. Que nos ancêtres épargnent. Nora! As-tu osé emmener cet enfant maudit dans ma parcelle? Un enfant qui a tué ses parents? Ne dis pas des paroles méchantes comme ça. Cet enfant n'est pas maudite. Elle n'a pas tué ses parents. Je suis venue te supplier de l'allaiter pour moi. Elle a très faim. Oh, oh, toi aussi. Nora, quitte ma parcelle. Je ne comprends pas. J'ai dit, sors de ma parcelle. Nora, non. Merci. Tu as l'air fatiguée. J'espère que tout va bien. Ça n'a pas été facile de prendre soin de ces bébés. Que le Dieu te bénisse. Laisse-moi te chercher une chaise. Oh, s'il te plaît. Je suis venue te supplier d'allaiter ces bébés pour moi. Maman, Biko, peux-tu entrer à la maison? Nora, comment peux-tu me demander ce genre de choses? Comment tu me demandes d'allaiter une enfant qui est maudite? Cet enfant n'est pas maudite. Ses parents sont morts de la façon. Je suis restée avec elle, ça fait déjà 3 jours. Et depuis, elle n'a rien mangé. Je ne peux pas faire ça. Coudi, pardon.
Allaite ces bébés pour moi. Je te supplie, s'il te plaît. Je peux t'aider à une autre façon. Mais pas à ça. Ces bébés orphelines, je sais que tu n'es pas une femme méchante. Je te prie. Tu veux qu'elle meure de faim? Je suis désolée. Je ne peux pas faire ça. Ce bébé n'a rien mangé si ce n'est de l'eau depuis que son père est mort. Elle a faim. Très, très faim. Je sais. Mais je n'en peux rien. Nora! Nora! J'aurais souhaité te venir en aide. Mais je ne peux pas. Nora, je suis venue allaiter l'enfant. Que le Dieu te bénisse abondamment. Pour avoir accepté d'allaiter une orpheline, que Dieu te bénisse. Tu ne connaîtras pas de chasseresse dans ta vie. Il n'y aura pas de pleurs dans ta famille. Ta famille ira de réussite en réussite. Hé! Hey! Un jour, Ifeti viendra elle-même te remercier. Nora, s'il te plaît, ne dis à personne. Sinon, mon mari risque de me chasser de la maison. C'est un secret entre moi et toi. Je te resterai fidèle dans ces serments. Et regarde comment elle est en train de t'aider. Maman, pourquoi tu aimes bien te stresser comme ça? Et pourquoi toi, si tu aimes toujours te mettre en travail? Maman, n'oublie pas que je suis très jeune et forte que toi. Tu veux que je te prouve que je suis aussi plus forte que la lionne? Ok. Maman, attends. La petite fille va alors t'aider. Attends. Ok. Je croyais que j'avais encore assez de force, tu sais. Es-tu sérieuse? Cela signifie que tu l'apprécies aussi? Mais j'ai... Pourquoi tu veux rentrer? Easy. Mais attends, les gens ne vont pas nous... Qu'est-ce qu'il y a? Mon père m'a envoyé pour une course importante. Et je dois faire ça avant la tombée de la nuit. Oh, mais il n'y a pas de problème, non? On peut aller ensemble, Non, tu ne peux pas aller avec moi. Tu sais quoi? Je vais tout t'expliquer à mon retour. S'il te plaît, on se verra après. Je t'expliquerai tout à mon retour. Ifeti. Je t'appelais. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y en a. Je veux dire. Non, il n'y a aucun problème.
Je dois partir avant que ma mère ne puisse me chercher. J'aimerais t'accompagner. Es-tu sûr? Oui, je suis sûr. Ok. Pourquoi voulais-tu marcher avec moi? Personne ne t'a jamais dit que tu es belle? Oui. Ma mère, elle me le dit tout le jour. Elle ne peut pas rester toute une journée sans pour autant me dire combien je suis belle. Ok. Ifeti. Je te le confirme maintenant. Que tu es belle. Très belle. Merci. Je vais te laisser ici. Attends, il faut que je dépose ça. Oh, désolé. Merci. Merci. Bye bye. Bye. Maman? Maman, je suis de retour. Et fais-tu? C'est très lourd. Maman, je ne me suis pas plaint. Je ne m'attendais pas à ce que tu allais revenir à... Quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un? Mm-hmm. Qui est cette personne? Maman, je ne suis pas prête à les discuter maintenant. Peut-être après, s'il te plaît. Ifeti, mm-hmm. Depuis quand tu commences à garder des secrets dans cette maison? Salut. Je me cache ici depuis en attendant que tu passes. Comment savais-tu que j'allais passer? Je sais, parce que je te surveille depuis un moment. À y penser, mais pourquoi tu aimes emprunter cette voie isolée? L'autre est plus courte? Je croyais que cette route n'était faite que pour moi. Et aussi, personne ne pouvait être avec moi. Surtout, c'est caché quelque part à cause de moi. Tout le monde m'a traité par des noms. Oublie ces gens. Écoute, oublie ce qu'ils disent. Et oublie ce qu'ils font. Ils trouveront toujours de quoi parler. Ce que je veux que tu fasses, c'est être toujours toi-même. J'ai toujours été moi-même. Voilà une chose que j'apprécie chez toi. Bonjour. Ifeti. Pourquoi tu souris? Parce que les hommes peuvent se soulager partout. Mais les femmes doivent toujours chercher un endroit caché. Mais c'est pas ta faute. Je sais. Tu sais quoi? Je ne serai pas à la rivière aujourd'hui. Je dois assister mon père. Donc on se verra après. Ok. Merci pour la compagnie. Merci. Ifeti, tu ne vas pas me tuer. Combien de fois
T'ai-je interdit de porter des histoires qui sont lourdes? Maman? Mon cou me fait un peu mal. Comment n'auras-tu pas de douleur? Hein? Maman, tu dois vraiment comprendre quelque chose. J'ai vraiment personne pour m'aider. Ça, ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois commencer à travailler à tout moment. Tes genoux? Aïe, mes genoux. Ça veut dire, maman, que tes jointures commencent encore à te faire mal? Mes genoux. Mais je pensais que c'était déjà fini. Peut-être que ça vient pour me tourmenter. Allez, allonge-toi et repose-toi. Je vais aller puiser de l'eau. Non, maman. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire. Mais tu as besoin de te reposer. Je vais puiser de l'eau. Non, maman, je ne suis pas malade. Laisse-moi juste faire deux tours et puis je viendrai me reposer. Ifedi. Maman, je ne traîne pas. Mes os me font mal. Beaucoup plus mes genoux. Ok. Oh, merci. Oh, merci. Ok, merci. Ah ah, tu es toujours là? Je ne rentre pas à la maison. Il va finir par venir. Ah, et s'il ne venait pas? D'ailleurs, peut-être qu'il a oublié que tu es en train de l'attendre à haut. Il ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier que je suis là en train de l'attendre. Il est juste en train de prendre son temps, mais je sais qu'il va finir par venir. Ok, moi je m'en vais au... Comment te sens-tu à présent? Merci beaucoup. Comment vas-tu maintenant? Je dois rentrer avant que ça ne s'empire encore. Es-tu sûr que tu peux rentrer en marchant sur ça? Bien sûr. Désolé, laisse-moi t'aider. Ça va comme ça? Oui. Je dois aller vérifier mon piège. Désolé. D'accord, merci beaucoup. Hein. Je suis vraiment très contente. Je t'en prie, je suis là chaque fois. Merci. Ça veut dire quoi? C'est quel genre de bêtise comme ça, hein? Pourquoi tu fais ça? Sais-tu combien de temps je suis restée ici pour t'attendre? Le sais-tu? Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Mon père m'envoie faire une course. Je viens comme ça de la maison de ma grand-mère maternelle. Ah. Et tu sais que cette route est longue? Chérie, je suis désolé. Je lui ai parlé de toi, plutôt de nous. Et elle aimerait te voir. C'est vrai. Je suis sérieux, je lui ai parlé. Bien, je n'ai pas duré là-bas, je dois vite rentrer afin de ne pas te décevoir. Ok, je suis juste contente que tu es là. Et je suis content que je t'ai rencontré. Elle t'envoie quelque chose. Quoi? C'est quoi? Odara. Je pense que tu aimes ça. Prends ça. Oh oui, j'aime ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je suis ici en train de t'attendre. C'est fait déjà tard, je dois rentrer maintenant. Non, mais pas immédiatement. Au moins, jouons un peu. Ah. Oui.
Alors, tu as fait exprès de me faire attendre ici pendant longtemps. Je me suis dépêché pour rentrer. Je me suis dépêché pour rentrer. Oh. Allez, viens ici. Viens ici, Oufati. Né. Maman. Yves. Maman. Ça commence. Yves, Chico. Tu as l'air fatigué. Est-ce que tu vas bien? Ça sent pire. Apparemment, tu n'es pas bien. Ok. Ok, ça va aller. Ça va aller, hein? J'ai déjà... De faire des scissions, hein? J'ai déjà apprêté ça. Tu vas boire l'eau qui est dans le gobelet. Et tu vas te laver avec ce qui est resté. Et après ça, je vais appliquer le fait qu'ils sont restés sur tes genoux. Hein? Et pour maintenant, je te prends quelque chose à manger. Madi, comment tu vas? Cette même douleur est revenue encore. Ça faisait déjà 2 ans qu'elle n'avait plus ces douleurs. On a cru que c'était parti. Maintenant que ça revient encore. Oui, ça va aller. Je sais. Nae, tu as du quoi? Prends place. Comment va ta famille? Oh oh! Et Kendika de hier? Les enfants de nos jours. Nous devons être là. Nous serons là. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, et se marie avec qui? Qui est son mari? Mazo Keke. Non, pas de... Keke. C'est voleur là, hein? Bonjour. Tu fais quoi? Bonjour, mon toutou. Je refuse de l'accepter. Sois maudite. Et laisse-moi partir. Que fais-tu? Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'ai pas vu depuis des jours. La douleur s'était accentuée. Je ne pouvais pas vraiment me lever pour sortir. Désolé pour ça. Je ne sais pas si notre rencontre a eu une affaire. C'est comme tu ne te rends pas compte que je t'aime tellement. Pour être sincère, je t'admire beaucoup. Et je ne pense pas que je peux passer une journée sans te voir. Je ne sais pas quoi dire. Je crois que je t'apprécie aussi. Ce qui signifie que c'est réciproque. Kichi. Je serai toujours là pour toi, peu importe la situation. Je te promets que je ferai tout pour que tu gardes toujours ton joli sourire. Je te protégerai au prix de ma vie. Merci. Alors,
Où est-ce que je suis en train d'accompagner, ma belle? Au champ, cueillir les légumes. Oh oui, j'ai oublié. Ok, je vais vérifier mon piège. Si j'ai attrapé un gibier, je vais vendre ça et t'acheter une belle robe. Merci. À plus tard. Ok. Bye bye. Bye. La personne qui est assise là-bas n'est pas Ndoka. Il y a juste un seul moyen pour découvrir ça. Nda. C'est beaucoup plus clair maintenant. Attends. Nda. C'est Ndoka avec cette maudite fille. Nda. Regarde-le. Je dois dire ça à l'homme. Nda. Viens vite. On y va. On y va. Nda. Hey. Oh mon Dieu. Sinon, tu devenais essoufflé comme ça. Oh, Loma, on a vu Ndoka. On a vu Ndoka. On a vu Ndoka avec qui? Avec cette Obandie. Avec cette maudite de fille. Kiru, ce n'est pas vrai. Je sais que tu blagues. Tu blagues avec moi, hein? Arrête ça. Comment je peux blaguer à faire ce genre de choses, hein? On les a vus ensemble. Tu as même dit, est-ce que je mens? C'est exact, on les a vus en train de causer et manger dans la ferme. Oui. Ce n'est pas possible. Je ne vous crois pas. En tout cas, on peut faire des choses comme ça. Oh. Ou peut-être... Peut-être que c'est une autre personne, vous vous trompez. Parce que je connais Ndoka, ne veux pas faire ça. Oloma, ça veut dire quoi que tu ne me crois plus? Mais je suis ton amie, on les a vus ensemble. Ok, viens voir toi-même, viens. Viens, viens, allons-y. Allons-y alors, on les a vus, ils sont encore là, oui. Viens. Ils étaient ici. Oui, juste ici. Oh, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai, oh. On les a vus ici. Ils mangeaient dans une même assiette. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Je ne sais pas vraiment ce qu'ils étaient en train de manger. Je n'ai pas fait très attention. Mais je suis sûre, ils étaient ici, sur cet arbre. Si tu n'es pas sûre de ce qu'ils mangeaient, alors tu n'es pas sûre de ce que tu as vu. Oh, c'est vrai. Tu vois? Ne prenez pas ça mal. Je ne suis pas en train de douter de ce que j'avais vu. Je suis convaincue que vous avez vu quelqu'un ici. Mais vous n'avez pas vu Ndoka. Pourquoi vous ne pouvez pas vous occuper de vos histoires à la place de s'occuper des affaires d'autrui? Ah. Regarde-le, des commères. Vous voyez comment ça veut perdre mon temps inutilement. Il a vraiment du mal à nous croire. Tout ça, c'est à cause d'Ndoka. T'inquiète. Elle est juste aveuglée par l'amour. Mais elle les découvrira elle-même. Si même je peux demander, mais qu'est-ce qu'Ndoka est en train de faire avec cette fille? Je me demande où. Ok, je pas me de demande. Problème. Laisse-moi juste m'occuper de mes affaires comme elle a dit. Exactement. Viens, oh, soyons utiles à nous-mêmes. Tel qu'elle nous a dit. Continuez juste où nous allez, nous sommes laisse-moi. Arrêtés. Vous êtes tous pareils, les hommes. Qui sait si peut-être que tu me triches toi aussi? Kiro, moi je suis différent, je ne suis pas comme ça. Tu sais bien ce que je t'avais dit la fois passée. Allez, laisse-moi. Viens, chérie. Laisse-moi. Kiro, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, les femmes avec leurs problèmes. Emenego, Mba.
Mouais. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Parle-moi. J'ai appris que tu étais avec cette maudite souban, quoi, la mourante. À Dieu nous plaise. Moi, Ndouka, avec la maudite fille, celui qui a dit ça doit venir le dire devant moi pour voir si je ne vais pas l'étrangler. Non. Pas jusqu'à ce point. Je n'ai même pas cru à ça, même quand j'allais jusqu'à l'endroit en question. Je ne croyais pas à ça. Rendu sur place. Quelle place? On m'a dit que tu mangeais avec elle. C'est pourquoi j'étais allée pour avoir la confirmation. Mais... Je n'ai rien vu. Il n'y avait rien du tout. Tu vois, les gens chercheront toujours quelque chose à dire à propos des autres. Tu vois, celui qui t'a dit ça, je veux connaître la personne. Je veux connaître cette personne qui veut détruire cette relation avec Duco Mirage. Je veux la connaître. S'il te plaît, mon amour. Ok. Ça ne va pas, hein? S'il te plaît, je te prie. Tu vois, la chose la plus importante, c'est que je t'aime toujours. Ça, c'est tout ce qui compte. Je sais. Mais la personne qui... Non, pas question de mais, ok? Je suis désolée. Juste oublie ça. Je regrette de l'avoir mentionné. Oye? Onogo? Ok, je prends la nourriture pour toi. Moins un. Tu l'as raté. Ok, recommençons. On recommence. Vite. Cotimonia. Je peux même fermer mes yeux. Allô? Tu es là? Bienvenue. Merci. Prends. Odalawanu. Où est-ce que tu as pris ça? Chez mon ami. Tu as un ami? Oui. Mon nouveau ami m'a demandé de te le donner. Tu as un ami dans ce village? Oui, maman, tu vas les rencontrer bientôt. Lui? Maman, je ne veux pas qu'on en parle maintenant. Laisse-moi d'abord aller prendre ma nourriture, j'ai faim. Néné, Naloum, reprends! On va en parler maintenant. Va prendre ta nourriture et viens ici qu'on en parle. Maman. Va prendre ta nourriture, on en parle maintenant. C'est un bon garçon. Je savais qu'il y avait quelque chose.
Tu veux dire que tu savais que j'étais en relation avec quelqu'un? Bien sûr. Quand j'avais vu que tu as grandi et que tu étais devenue un peu consciencieuse, je voulais en parler, mais tu n'étais pas prête. Par ma conscience? Consciente? Dis-moi, comment ça? J'étais comme toi. Tu commençais à bien soigner tes pieds avant d'aller dehors. Oui, et tu as commencé à mettre tes jolis habits avant d'aller à la rivière pour puiser de l'eau. Je savais que c'était pour impressionner quelqu'un. Maman, son nom c'est Ndoka. Il a dit qu'il viendra nous visiter un jour. C'est la seule personne qui ne m'a pas montré la discrimination. Il me prend pour une personne normale. Tu es une personne normale. Je te l'ai dit à maintes reprises. Oui, il est arrivé que tu tombais malade. Et c'est déjà passé. Tu es très belle. Et la plus belle alors. Je suis contente que tu aies rencontré quelqu'un qui t'aime pendant que je suis vivante. Je t'aime, maman. Sois juste sage. Veille sur toi-même. Chercher pour que nous allions à la rivière ensemble. Je ne pense pas que je vais aller où. J'ai mal à la tête. Je vais entrer à la maison et me reposer un peu. Loma, j'aimerais que tu commences à m'inviter depuis que je t'ai parlé d'Ndoka. Arrête! Ne commence pas. Je ne veux pas aller à la rivière. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Non, dis-moi, est-ce un problème? Loma, nous sommes comme deux sœurs. On a grandi ensemble. On ne peut pas se quereller maintenant qu'on est deux. Ok. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé l'autre jour, mais je suis tellement sûre que je l'avais vu. Je l'avais vu. J'ai mal à la tête. Alors j'ai besoin d'aller me reposer. Va dans ta rivière, non? Moi, je vais aller le soir. Djabé? Mais tu étais en train de... Tu es sûr que tu vas bien? Oui, un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Allez, viens, 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 viens. Mes genoux me font mal. Viens, assieds-toi. Ça te fait mal? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour arrêter la douleur? Assieds-toi. Désolé. Assieds-toi. Alors, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous arrêter la douleur? Ça me fait toujours ça. T'inquiète, ça va prendre fin. Je dois chercher une aide.
tout de suite. Ndoka, s'il te plaît, où vas-tu chercher de l'aide? As-tu oublié qui je suis? Personne ne voudra venir m'aider. Emmène-moi juste le feuille de Shoma. Le feuille de Shoma? Es-tu sûr? Ok, oui. J'arrive tout de suite, ok? Merci. Attends-moi. C'est quoi ça, hein? Je n'apprécie pas ça. Pourquoi tu me fais attendre pendant longtemps, hein? Ça veut Écoute, dire quoi? Je suis désolé, ne te fâche pas. Ma grand-mère est malade. Donc, mon père m'a demandé de lui apporter ça. Eh wow, pardon, je ne savais pas. J'ai pensé que c'était d'autres filles qui cherchaient de t'éloigner de moi. Mais je ne savais pas. Je suis désolée. Comment va-t-elle? Elle est très malade. Et alors dans ce cas, laisse-moi aller avec toi ensemble. Non, non, non. C'est pas important. Pourquoi? Je pense qu'elle sera heureuse de me voir. Elle sera contente de te voir, mais pas dans cet état. Elle a la peine de reconnaître qui que ce soit. Tu sais quoi? On ira ensemble quand elle va mieux. Oui, on ira ensemble quand elle va mieux. Ok, je pense que tu as raison. Je dois m'en aller. Ok, juste fais attention. Bien. À plus. Ok. Tu iras mieux, hein? Tu iras mieux, ok? Ça va. Ça va. Un peu de courage. Nous y sommes presque. Nous sommes presque à la maison. Nous sommes presque à la maison. Désolé. Désolé. Ça va. Continue, un peu de courage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux t'aider. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Regarde la façon dont tout le monde Je m'en regarde. Fous. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi te porter sur mon dos. Allez, viens. Viens. Monte sur mon dos. Viens. Viens sur mon dos. Attrape-moi. Désolé. Désolé. Tu iras mieux. Ça va. Désolé. Tu iras mieux. Je crois juste qu'elle n'est pas... Ça m'inquiète.
Bonsoir, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Heureusement qu'elle est retrouvée. Je m'en vais avant que les gens ne commencent à me chercher. Dalouane. Il fait si. Désolée, ma chère. Je vais te voir le matin. Naï, que le Dieu te bénisse. Amen. Ça va, maman. Je dois partir. Je reviendrai après. Ben, attends, on va manger ensemble. Maman, ça va. Je te promets, la prochaine fois que je serai là, je vais manger. Dalo? Je t'en prie, maman. En tout cas, que fais-tu ici? Si c'était elle qui était devant toi maintenant là, allais-tu lui poser la même question? De qui parles-tu? Ça aurait été mieux si c'était une autre fille. Ils n'ont pas cette confirmée de Wanjie. Laisse-moi. Oh, pardon! Garde tes explications pour ta pauvre mère. Duka, juste reste loin de moi. Reste loin. La maladie s'aggrave. Je dois aller chercher le fait des ici sur moi. Peut-être que tu peux aller le chercher demain. Ça me fait s'empirer. Non. Je m'en vais maintenant. Né. Je suis désolée de ce que je te fais, toi et Obi. Je ne savais pas qu'Nduka pouvait faire ce genre de choses.
mes excuses sont acceptées. Je lui faisais tellement confiance. Hein? Tu sais, je n'allais pas croire si c'était ma mère qui m'avait dit qu'il était en train de me tricher. T'as pas tort, hein? Oulama, Oulama, j'aimerais te parler. Oulama, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je t'avais dit de garder ces explications pour ta pauvre mère. En tout cas, tu es un grand menteur. Je ne veux même plus être avec toi, même une non, fois. Non, 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 Oulama, ce n'est pas ce que tu penses. Crois-moi, tout ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Elle m'a croisé en route. Et elle dit qu'elle m'aime. L'amour enfoiré. Alors, maman, s'il te plaît. Et si ce qu'il disait était vrai? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que cette sorcière l'a envoûtée. Oui, un homme normal ne peut pas sortir avec cette femme en public. Oui, sachant qu'elle est maudite. Oui, elle l'a envoûtée. Sorcière, sorcière, je suis venue t'avertir de laisser Ndouka seul. Il est mien, il est pour moi seul et je ne veux le partager avec personne. Et tu m'entends? Je ne savais. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Banje. Écoute, comme tu ne peux pas te trouver un homme, tu veux utiliser des fétiches pour avoir mon homme. Écoute, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas du tout peur de toi. Si tu fais des problèmes, écoute-moi, je te donne encore beaucoup de peine. N'ose plus jamais ça. Je ne me sens pas bien. Hein? Je me sens malade. Quoi? Hein? Hein? Meurs! Meurs! Hey, après tout, es-tu parmi cette parmi le vivant? Meurs tout entière et laisse-nous seuls. Tu ne te sens pas bien, hein? Sorcière, va les récupérer là-bas. Sorcière. Maman? Maman? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Maman? Maman? Qu'allons-nous faire maintenant? Hein? Qu'allons-nous faire? Hein? Je peux rappeler le sage pour voir ce genre de poison. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire par là, maman? Hein? Désolée. Je n'ai pas pu trouver ces maman, feuilles. Oublie ces feuilles. Qu'allons-nous faire maintenant?
n'y a pas d'antidote. Maman, s'il te plaît, laisse-moi aller l'appeler. Ifeti, amène-moi de l'eau à boire. Maman. Maintenant, je peux mourir en paix. Parce que tu t'es trouvé une personne qui t'aime. Maman. J'avais peur de te laisser seule. Parce que tout le monde croit que tu es maudite. Ils oublient que tu n'es qu'une enfant abandonnée. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Tu as trouvé ton âme sœur. Alors sois gentille et obéissante à lui. Maman, tu as brisé mon cœur. Je peux maintenant mourir rassasiée de joie. Comment tu te sens? Ça va bien. Et toi? Peut-être. Laisse-moi aller t'appeler, Ikewa. Ce n'est pas nécessaire. Va. Va prendre le feu de moi, Sicily. Bois une quantité et le reste, lave-toi avec. Et tu... Maman, s'il te plaît, allons dehors, tu as besoin d'air. Je t'en prie. Allons-y. Va chercher ce paix. Maman, pourquoi veux-tu rendre les choses difficiles pour moi? S'il te plaît, allons dehors. Va appliquer le fait. Maman! 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 Maman, s'il te plaît! Maman! Maman, s'il te plaît! Maman! Maman, ne fais pas ça! S'il te plaît! Maman! Maman, s'il te plaît! Ne fais pas ça! Maman, s'il te plaît! Maman! 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 Mm-hmm.
Alors, qu'est-ce qui te faisait souffrir ainsi? On appelle ça l'anémie SS. C'est la même chose qu'Omura a. Tu ne vas pas comprendre. Cette maladie est dans les sangs. Notre corps produit un sang pas comme tout le monde. Notre sang a un caractère comme ça. Et pour une personne normale, c'est comme ça. Les globules blancs d'un homme normal meurent après 90 jours. Mais les nôtres meurent après 20 jours. Je n'ai jamais connu les globules blancs. Parce que notre sang n'a qu'un seul cycle. Il trouve la difficulté de passer là où le corps a besoin. Et pourquoi elle est toujours malade? Lorsque le sang n'arrive pas à passer dans les vaisseaux, c'est compliqué. Et c'est la cause des douleurs et des fièvres. On appelle ça l'anémie SS. Hé! Si seulement sa santé est bien suivie, elle ne va pas mourir. Ah, regarde-moi. Depuis que j'avais découvert ce qui me dérangeait, je ne tombe plus malade comme auparavant. Avais-tu été guérie? Il n'y a jamais eu une guérison pour ça. En tout cas, pas du tout. C'est un enfant normal. Et ils disent que je suis maudite. Tu avais entendu ce que le docteur t'avait dit. Tu ne l'es pas. Je suis désolée. On est désolés. Nous étions des ignorants. Je suis désolée. Désolée. Vraiment, c'est normal. Elle ne peut pas faire tout le travail. Oui, et elle ne peut pas s'exposer au froid. Oui, et puis elle doit manger la nourriture qui est très riche en fer, comme le pondu. Le pondu ordinaire. Oui. Ce que je néglige dans mon champ. Oui. Le docteur lui a donné quelques médicaments. Elle doit les prendre à tout moment. Et s'il vous plaît, si seulement elle tombe malade, n'hésitez pas de l'emmener à l'hôpital. Le docteur a pris l'engagement de la traiter gratuitement. Oh, oh, merci beaucoup, hein? Merci, merci. Merci. Tu es normal. Il sait. Tu es très, très normal. Il sait. Et tout ira bien, je te rassure. Thank you.
Thank you.